Bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue à la 13e partie de Zelda Tears of the Kingdom. On a des nouveaux settings, les amis. Genre, je suis rendu avec une caméra fucking awesome, genre mon phone. Puis genre, on essaye un nouveau micro. Ça fait qu'on va voir ce que ça donne. Oh, regarde, j'ai gossé toute la freaking soirée genre là-dessus pour essayer d'arriver à de quoi. Là, on se gâte un peu avant d'aller se coucher, on record l'épisode 13. Fait que, comme qu'on avait dit, on va s'enligner vers Death Mountain. On va utiliser le bon vieux truc du planeur pour pas genre, pour que ça aille plus vite. Je vais explorer les lieux vite en même temps. Ça, c'est-tu ça pour Death Mountain? Ah, ok, bon. On va aller activer la tour en premier. Fait que non, c'est ça, on essaie des nouveaux settings. En espérant que ça va être mieux. Ben, en tout cas, la caméra, c'est déjà mille fois mieux. Genre, quand c'est rendu, je peux voir, genre, comme mes boîtes de Magic, pis tout ça, pis me dire, ah ouais, ça ressemble à des boîtes de Magic, c'est déjà un bon début. Fait que, pour ceux qui étaient pas présents au live stream, ce que vous avez manqué, c'est de 1, on est allé chercher l'armure complète de Zoro, et on avait déjà, genre, le torse pis la tête, mais là maintenant on est rendu avec les jambes aussi. Sinon, plus de shrine, c'est rendu que là on a une deuxième barre de stamina. Fait que. C'est déjà un bon début. Fait que. Non, c'est ça. Fait que. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Pour ceux qui ont écouté tous les épisodes de Halo, j'espère que genre vous avez été autant flabbergasted que le représentant de toutes les matisses de l'univers et du Québec et de tous les noms de cheval. Faites-moi signe dans les commentaires si vous avez aimé sa présence, by the way, genre... Comme... De un, ça, je suis sûr qu'il va être content de lire ça. De deux, je pense que je vais le ramener pareil, mais en tout cas... Curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Pardon, la situation est un peu compliquée en ce moment. Chenier. Ok. Une ruine énorme est tombée du ciel et évidemment, il fallait qu'elle tombe directement sur la tour de la reconnaissance. Résultat, ça fait sauter le couvercle. Et maintenant, elle se termine juste par un trou béant. J'imagine que ça va être un puzzle à résoudre! Ah! Ok, le top il est chier. On va aller voir ce que ça donne. Avec le rocher qui est là. On va en profiter pour boire de l'eau. Fait genre à peu près comme 2 heures, j'ai soif. Que je suis comme, non, il faut que je finisse mes settings. Oh. Il y a un île pis tout. Finalement, ça donne bien parce que je m'en allais sauter directement. Puis genre, au final, tant mieux. L'ancenium. Non. Parfait. Ah bon. Parfait. J'aime comment que comme le dude a carrément répondu au puzzle, il est juste genre... Oh. Mais non, j'aime que le dude il est juste comme... Oh, il y a des débris qui tombent du ciel, genre... By the way, Link, t'as un pouvoir pour ça. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi toutes les boblies en arrière que j'essaie de pointer? Dans le fond, c'est une pyramide de boblies. Que j'ai construit pour le live stream, puis que finalement ça a cassé. Mais, ouais. Là. Pourquoi j'ai un. Ah oui, ok, c'est vrai, j'avais activé un shrine. On va s'en aller par là. Là, c'est bien cute l'armure de Zoro, mais on va remettre. La tenue Ilienne, là. Genre. Ce serait un peu plus approprié, je pense. Dans le désert, dans les montagnes chaudes. Être un homme poisson, c'est pas bien vu. C'est pas ça. Ok.
Par contre, je suis même pas activé la tour brillant. Youpidou, on est dans l'espace. Le Link qui sort sa tablette là, puis il prend les scans de tout. Pour ceux qui savaient pas là, genre. J'aime que genre présentement, genre j'ai comme pas énormément d'énergie. Je suis de bonne humeur, mais j'ai pas énormément d'énergie. Mais à gaz, qu'est-ce que vous voulez de plus? Caméra HD, caméra méga HD, genre ma main est même pas pixelisée ou à peine. J'aime pas, par contre, c'est l'orientation de la caméra. Peux-tu, genre, la placer comme... Comme mon ancienne webcam, je trouvais que je regardais plus directement, genre, quand je regardais le jeu. Là, j'ai l'air de regarder comme en bas à droite, de l'autre droit. Ok. Moi, je pense. Ah oui, tu vois. Je me demandais, j'entends genre. J'entends du monde arriver, pis genre, pas d'explication ni rien. Hey, mais. Ce qu'on peut faire par contre. C'est comme ça. Ça de même. Reviens ici, toi. Mon vlimeux qui essaye de se sauver. C'est une atrocité ce que je suis en train de construire. Ça, on va sortir ça de la sacoche. J'ai pas assez de place là. Sortir ça de la sacoche. On va reculer ça avant que comme ça s'en aille. Et on essaye ça. Genre, je sais que ça sera pas très concluant, ça. Ah, ben quand même! Quand même! Ok! Ah, ok, c'est la tête. Là, par contre, il faut que genre, je m'enligne vers où que je dois aller. Avec le point sciant sa map par là. Ok. Ok, puis c'est ça, vu qu'on a, on a accroché des batteries après, genre. Ça nous mange pas notre batterie à nous autres, c'est super. Je mentirais pas que je suis quand même fier de ma petite création. Ok, puis on arrive déjà au spot. On va dropper de l'avion parce qu'elle va disparaître de toute façon. Je vais aller voir ça qui est ici. Et après ça, ok, c'est ça, le village Goron, il est drette là. Fait que je pense qu'on pourrait s'en aller directement au village Goron pour probablement se pogner soit l'armure Goron ou sinon de la nourriture pour ça. Hey yo, bitch! Get the way! C'est ça, va-t'en! Ça, c'était la meilleure répartie que je pouvais avoir à soi. Non, mais au moins, j'ai commencé qu'on va en disant hey yo, bitch! Genre, tu sais. Il y a eu de la. Je l'ai insulté, le petit robot, là, on va se le dire. Là, j'ai vu que je pouvais me faire un jet, mais ça me donne rien parce que je m'en vais directement en bas. C'est quoi ça?
Là, je croise les doigts que genre, ça soit pas juste méga très chaud pis que comme, ça me fasse, ça me tue tout de suite, fait qu'on va aller comme, on va commencer par ça ici. Yo, ok, je pense que, je pense qu'ils ont rendu la place vivable. Oh, ok, parce qu'il y a de l'eau pis tout, ok. Oh, c'est tellement agréable. Oh, ok. Moi, j'avais fucking peur d'arriver là, puis juste être comme, ah non, il va falloir que je me trouve des armures au plus vite. Ok, ben c'est malade, c'est, on est bien. Yo, dude, you ok? Alors, toi aussi, tu as perdu la tête, Gruken. Je t'avais pourtant bien répété de ne pas manger la savouroche. La savouroche! Mais alors, si tout le monde est devenu bizarre, c'est à cause de la savouroche que Monsieur Suyun ne s'extrait pas vrai? Qu'est-ce que vous... Ah, oh, attends, non. Je pensais que c'était le vieux qui parlait, mais non. C'est-tu Miyonobo? Ça critique attends. Encore la savouroche par ici? Puisque je vous dis que c'est parfaitement sans danger, alors arrêtez un peu votre délire et ramenez-vous par ici, tous les deux. Hmm? Ça pour une surprise. Ok, mais genre, il est passé de comme le petit abruti qui a pas de confiance en lui à genre comme un real boss qui est juste genre boss tout le monde around. Oh, c'est super. By the way, genre, vous venez de citer à moi qui s'est rendu compte que genre j'ai pas le micro sur le sur ma page, pas de caméra, fait que là ça m'a fait un peu freak out, mais c'est correct. Pis j'ai pas tout suivi la conversation. Dom, Zelda est... Ok, c'est ça. Zelda est arrivé dans toutes les régions, puis elle a juste fait comme... Votez pour moi aux prochaines élections. Ah, oups. Le dude, il arrête pas, genre... Le dude, il arrête pas, il est juste comme... Ah ouais, il m'a continué à... Yo, bro, you gotta stop. Je travaille du matin au soir, sans une minute de répit. Est-ce qu'un jour j'aurai le droit de souffler mon maître des humains? Ouais, même pas la savouroche, c'est clairement du weed. Genre, il a les yeux rouges, là, il est pas ténet. Yonobo du village Goron. Les habitants du village Goron ne peuvent plus s'empêcher de se coiffrer de savouroche. Il semblerait que Yonobo est une... Et une jeune femme blonde soit derrière tout ça. Yonobo les a collés. Ok, ok. J'adore. Le shopkeeper! Ah, oh, wow! Ça, c'est quoi? Un flacon d'épices? Oh! Pour vrai, genre, je dois avouer le dévouement de mon collègue de travail qui est genre, moi, j'ai juste hâte d'aller au village Goron pour des épices de Goron, genre, parce que comme mon collègue, il est cook, fait que genre, lui, il me dit genre, ouais, les épices, pis tout ça, genre. J'avais trouvé ça cool. Je trouvais que c'était très roleplay, très, très hot. Bon. Là. Qu'est-ce que je peux vendre pour de l'armure? Je vais rechecker les prix. 700, 1400, 1200. Fait qu'il me faudrait 1900 piastres. J'ai quoi d'intéressant à vendre? Parce que
Ça me tente pas de vendre vraiment mes matériaux rares plus que ça. Ça, par contre, j'en aurais pas de besoin d'une tonne. Parce que techniquement, ça a vraiment. Je pense que ça va vraiment juste servir pour le temple de l'eau. M'a quand même me garder à peu près 5 de chaque. Mais justement, genre, ok. Peut-être 3. Ouais, je pense que je vais me garder au moins 3 de chaque pour au moins avoir être capable d'avoir le. Au moins deux. Peut-être un ou deux bouts d'armure. Ah, ok, j'en ai vendu 3, ça fait que. Ah, fuck. Ok, au moins 2 de chaque. Deux checks, je devrais être good. Ici, on va en vendre. On va en vendre en masse. On s'en fait au fur et à mesure, fait qu'il n'y a pas de stress. De toute façon, on n'est pas prêt à en utiliser pour upgrader des choses spéciales. By the way, j'ai pas encore les Fairy Fountain ou whatever. C'est pas quelque chose qu'on a ramassé dans le live. C'est juste que je prends un guess qu'on va encore pouvoir upgrader les shit. Bon, ben on a au moins ça pour l'armure. Du coup, l'équipement résistant au feu vendait comme des petits pains chauds. Mais maintenant, ça t'intéresse que les collectionneurs Ilien, le Lyon et compagnie qui bossent dans les grottes. C'est pour ça que je les vends à prix cassé. Tu veux m'acheter des bottes de pierre? Tes prix cassés étaient le même prix dans le dernier jeu, man. Genre, c'est pas des prix cassés ce que tu me fais là. C'est, tu me fais le même prix. Bon, on va se donner ça. Comme ça, au moins, on va être capable de pouvoir aller dans les régions un peu plus chaudes. On va suivre ce chemin-là ici. Pourquoi ça me donne autant de joie de toutes les voir péter sa savouroche? C'est super. Oh. On va pogner ça avant qu'on les skip toutes. Genre, d'habitude, ils sont comme super, comme... cachés, puis ils vont à la dernière minute, puis ils partent à la course. Fait qu'on va les ramasser tout de suite. Dans le fond, c'est pour faire des élixirs de résistance au feu extrême, genre. Fait que on va profiter pendant qu'on en a. Ok. Ça veut pas bouger. Mais peut-être si genre... Hey, il a bougé! Non! Qui... Ça se fait pas toucher aux... ok, pourquoi que... La cité antique de... La cité antique des gars... Quoi? C'est ça qu'il voulait que je fasse? Je sais que Gardenia se trouve à l'autre bout de ses rails, j'en suis sûr. Yo, comme... C'était pas prévu, mais let's go, on s'en va là-dessus. Genre... Ça a l'air comme vraiment hot comme side quest, là. Je ne suis qu'un simple homme, je me dois d'aller voir. Holy shit. Yo, attends. Ah, ok. Ils peuvent kidnapper du monde. What the... Siège de Yun et compagnie. Siège de Yun et compagnie. Ça veut dire que je suis passé au bout de ses rails. C'est pas Gardenia, ça, man. Bon, maintenant que je suis arrivé au bout des rails, il ne reste plus qu'à trouver Gardenia. Ok. Un vrai petit Québécois, ça. C'est accompli. Ok.
Oh, je te dis les petits Québécois. Hein? Mais là, ça piquait mon intérêt. Ils sont comme partis avec un petit lien, puis ça fait que m'aller donner des coups de main. On a le temps, là, on prend ça relax. On vient d'arriver à Death Mountain. On va prendre ça smooth, taper des petits visages, taper des cheeks. Yo, Big. You good, dipshit? Ok. De la bonne savouroche! Non, mais ça et ça, par contre. J'ai manqué mon shot. Je l'avais presque. Ok, on va prendre un bouclier qui va pas, genre. Non, mon bouclier incendiaire va bientôt briser. Non. Une lance avec une claymore sur le top. Ben oui. Oh. Mon seul bâton qui va me servir à casser de la roche. Je suis un peu dégoûté de qu'est-ce que je m'en vais faire là. Non, ok, on n'en a pas de besoin. Ok. On a ça pour un véhicule. On peut mettre ça dessus. J'ai vraiment besoin de ça. Ok. Ok. Ok, je vois. J'imagine que ça va. Ok. Ça n'a pas eu l'effet que je pensais, mais ok. Au moins on passe à travers de tout ça, j'imagine. Ok. On va ramasser le petit lézard. Ah! Alice, le petit step, il nous a fait tomber. Bon, ça va bientôt briser. Ça, c'est bon, ben c'est réglé. Ouch. Et... Ok, fait que dans le fond, le véhicule servait pas à grand chose. Ouch. Ok, dans le véhicule, il servait à quelque chose. J'ai rien dit. Ouch. Ouch.
Je veux juste une roche. J'aurais dû me prendre la roche tantôt quand c'était le temps. Ok. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Je pourrais aller voir sur les internets, mais ça tente pas. Bon, ben merci, hein, guys. Merci d'avoir écouté la partie 13. On arrête ça là, genre... Ça va vraiment juste finir sur Cliff qui meurt dans la lave. C'est super, mais regarde! On a une bonne caméra maintenant. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai même pas ramassé... Attends, j'ai-tu ramassé le trésor? Non, j'ai même pas ramassé le trésor. Genre... Est-ce que je suis capable... Je veux juste aller ramasser le trésor que... Tu ramassé? Non, c'est ça! Attends, tout mon affaire. Ah, puis mon véhicule, il a disparu... Ah! C'est bien cool! Ah! Wow! Ok, mais c'est vraiment cool. Ça veut dire que genre, toutes mes attaques de feu sont... Nice! Et rip les minéraux. Là. On va sortir de là, puis d'être bon, ben. Là, c'est sérieux, fait que... Je vous souhaite une bonne journée à tous. Demain, on... Là, dans le fond, je vais me renseigner un peu. Là. Demain, probablement, on sort direct sur la main quest pour essayer que jeudi soir, on fasse le donjon en tant que tel. Donc, merci du visionnement. Puis... En espérant que la qualité de mes nouvelles affaires, genre, passe la job. Parce que, comme... C'est ça. Fait que, dans ça, vous autres. Bonne soirée.